Bonsoir, c'est Ralph. Ça y est, c'est vendredi, c'est le week-end. Vous pouvez enfin décompresser, surtout qu'à l'approche des fêtes, je sens que vous allez passer des week-ends bien, bien, bien chargés. Cette semaine, je vais vous présenter un artiste incroyable, DJ superstar. En plus, il vient de notre région. Il s'appelle Quentin Mosimane. Il nous présente son nouvel album et je vous emmènerai à la rencontre de cet artiste. Ensuite, je vous présenterai une nouvelle application qui va vous aider à redécouvrir votre ville. C'est une application qui va vous servir tous les jours, je vous le garantis. Et bien entendu, comme tous les week-end, on finira avec l'agenda. Et celui-là s'avère très 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 chargé puisque c'est l'agenda des pré-vacances de Noël. Voilà, tout de suite, direction notre reportage avec la présentation de ce nouvel artiste qui présente depuis peu son nouvel album The Eight Deadly Sins. Il s'appelle Quentin Mosimane. Il vient de notre région, comme je vous l'ai dit. C'est un garçon exceptionnel, talentueux, DJ, musicien. Enfin, je vous invite à le découvrir avec moi. Quentin Mosimane, DJ producteur phare de la scène électronique française, n'a pas chômé depuis 2006. Après un double disque d'or en 2009, il est classé cette année 69e au top 100 des meilleurs DJ mondiaux. Quentin Mosimane sait tout faire sur une scène. Il est né pour ça, il était programmé pour ça et je crois qu'on n'a encore rien vu. Bah, c'est un showman et c'est un geek. Tant de récompenses qui illustrent ses talents de musicien, c'est un véritable show à chaque prestation. Emporté par une voix atypique, des envolées au synthétiseur et des solos percutants à la batterie. Dans des sonorités électro-house, il installe sa qualité de producteur talentueux avec ses derniers titres joués par les plus grands DJ de la planète. Ainsi, outre son statut de coach sur l'émission The Voice Belgique et de résident phare sur Fun Radio, le DJ et chanteur franco-suisse est surtout un DJ de haut vol à la réputation internationale avec plus de 120 dates par an à travers le monde. C'est en parcourant les quatre coins du globe qu'il a su agrandir sa communauté de fans avec plus de 4 millions de visites cumulées et plus de 235 000 fans sur Facebook. Ce DJ qui chante, animé par une insatiable envie de surprendre, a su créer son style éclectique et novateur, offrant l'incontestable satisfaction d'un show exceptionnel. Bientôt dans notre région, je vous rappelle qu'il vient de sortir son nouvel album, The Eight Deadly Sins. Ce garçon est incroyable, je le connais bien, c'est un ami, j'ai eu la chance de jouer plein de fois avec lui, il est complètement fou. Sur scène, faut pas le louper, allez voir un de ses prochains shows. En plus, quelle fierté, il vient de notre région. Quentin Mosimane, bientôt près de chez vous. Voilà, on continue l'application de la semaine. Comme chaque semaine, je vous présente une nouvelle application pour votre smartphone. Celle-ci s'appelle Pika Pika, elle va vous aider à redécouvrir votre ville en partageant tout ce que vous pouvez découvrir au jour le jour, toutes les choses sympas que vous avez envie de faire redécouvrir à vos amis. Pika Pika, c'est l'application de la semaine. Pika Pika est un réseau social qui vous invite à partager et découvrir les meilleurs endroits et expériences dans votre ville. Pika Pika permet de garder une trace de ses bonnes expériences locales, aussi bien dans sa ville qu'en voyage. Restauration, street art, shopping, point de vue, endroits insolites, vous allez pouvoir tout partager. C'est avant tout un réseau social et en suivant petit à petit les personnes qui vous ressemblent, vous allez pouvoir redécouvrir votre ville. Lorsque vous passez à côté d'un bon plan que vous avez repiqué sur Pika Pika, vous serez alors alerté de sa proximité pour aller expérimenter, le voir ou le goûter. À utiliser vraiment sans modération afin de faire redécouvrir votre ville. On est vraiment dans l'exclusivité puisque cette application est sortie il y a seulement 2 semaines. Pika Pika, je vous la conseille vraiment. Oh, ça y est, c'est le week-end. Je sens que les pieds commencent à frétiller. Vous voulez aller danser, c'est parti. On a un week-end de grands malades. Vendredi, samedi, dimanche, le temps est compté. Il va falloir réussir à tout faire puisque le week-end prochain, ça sera les fêtes de Noël. Allez, je vous emmène, c'est l'agenda du week-end. N'oubliez pas qu'il faut chaque semaine m'envoyer vos événements à l'adresse Ralph que vous verrez ci-dessous. Et puis voilà, c'est parti. On y va, c'est là. Et ça commence dès ce soir à Courchevel avec la Winter Opening Party des Caves de Courchevel, un événement exceptionnel. Au Palo Alto à Megève, la soirée You Red Shoes où vous allez pouvoir gagner une paire de Christian Louboutin. Et au Bal à la Clusa, soirée avec un buffet dînatoire au platine DJ Morgan de Reva. C'est les 20 ans du Bowl à Annecy, une soirée à louper sous aucun prétexte.
Du côté de Lyon, ce sera le DJ superstar Tony Romera qui sera au César Palace. Pour ma part, je serai à la clinique à Courchevel pour fêter l'anniversaire du club. Et demain soir, ça continuera avec Miss Galia au platine. Allez, demain soir, direction le Titan à Lyon avec le groupe WW de la grosse électro-progressive. Et puis du côté du A-Club, la soirée Bones to the Beat pour les amateurs de hip-hop. Et puis au Macumba, ça sera Mademoiselle Alizée, la gagnante de Danse avec les Stars qui sera au platine. Et tous les dimanches à la Clusaz, le Télémark Café présente le brunch d'altitude de 11h à 16h. Ça va être sympa. Je ne sais pas vous, mais moi, rien que de voir l'agenda du week-end, je suis déjà fatigué. En tout cas, il va falloir prendre des forces parce que les fêtes arrivent, ça va couler à flot, on va faire les fous tout cet hiver. Moi, pour ma part, je vous donnerai rendez-vous après les fêtes, bien entendu, puisque je vais prendre un petit peu de vacances, histoire d'aller faire un peu de ski et de découvrir de nouveaux endroits à vous faire découvrir. Je vous donne rendez-vous après les fêtes pour Par ici la sortie. Merci à vous, au revoir.